Good morning, allez Yiden, les titres aujourd'hui le Nishmat. Amram Yoda ben Chana, Nissim ben Ahuda, Sarah bat Chana Rachel, ainsi que l'Irfouat, Ari Akiva ben Shachar, et Odaya Fortuné bat Chana Betor Shar pour l'Israël. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Avot, Perek Aleph, avec pour aujourd'hui Mishnah Hei, Vav, Zain, 3 Mishnayot. Première Mishnah Hei, Yosef ben Yochanan, Ish Yerushalayim Omer, Yehi betcha patuach, לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך, ואל תרבה שיחה עם האישה. באשתו אמרו, קל וחומר משת חברו. מכאן אמרו חכמים, כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האישה, גורם רעה לעצמו, ובטל מדברי תורה, וסופו יורש גיהינם. לדוזיאם דיסיפ דו אנטיגנוס איש סוחו, סתה יוסי בן יוחנניה, ויוסי בן יועזר, סתה למשנה דלת, אבל נעשה יוסי בן יוחנן, כתבונק לו אף בית דין, chaque fois, il y avait un assis et le deuxième, Avbedin, le dirigeant spirituel, et à part ça, le responsable du Sanhedrin. Donc ça, c'est le deuxième, c'est le Avbedin. Yosef ben Yochanan, Ish Yerushalayim. Yosef ben Yochanan était un homme de Yerushalayim, et il avait l'habitude de dire « Yehi betcha patuach lirvacha » que ta maison soit toujours ouverte avec largesse, pour les riches comme pour les pauvres. Le Bartano rapporte, comme Abraham Avinu, qui avait même sa tente ouverte aux quatre directions, de manière à ce que tout pauvre, toute personne qui vient, qui a besoin d'aide, qui puisse directement venir chez lui, sans même commencer à faire le tour de la maison et hésiter, est-ce que je tape à la porte. Non, comme ça, quand il y a des portes, les gens ils viennent, ils tapent directement. Il est naturellement ouvert pour aider l'autre. Veyu aniim bene betecha. Et que les pauvres soient les membres de ta maison. Il y a plusieurs interprétations. On va rester sur le pshat du Bartenora, qui va son nom Rambam, qui nous explique tout simplement que les pauvres soient les membres de ta maison. C'est-à-dire, lorsque tu as des petits travaux à faire, tu as besoin d'organiser quelque chose, tu as besoin d'aide, et ben, au lieu de t'amener des serviteurs, des knanim, des esclaves, des goïm, et ben, va voir les pauvres, prends les pauvres et fais-les travailler. Tu leur donnes de l'importance, tu leur donnes de la parnassa, de l'occupation, et c'est un plaisir. Et même pour toi, comme ça ton cœur en même temps, il s'ouvre à l'autre davantage. « Val tarbesicha im ha'isha » et ne parle pas trop avec la femme. Si vous faites attention, il n'y a pas marqué « im isha », mais il y a marqué « im ha isha », avec la femme. De là, on déduit que quoi ?« Beishto amru », même avec sa propre femme. « Kalva chomer beshet ravero » a plus forte raison lorsqu'il s'agit de la femme de son voisin. Soit la femme en soi-même, ne pas trop parler avec elle, comme ça va être expliqué ensuite, quand on va avancer dans le Yudah Mishnah, on va expliquer pourquoi, ce qui a expliqué ce que le Bartano interprète ici. En tout cas, la Mishnah nous dit, sache que même avec ta femme, il y a un problème de trop parler. C'est dangereux, ça peut te coûter cher, comme on va expliquer. Mais et à plus forte raison, lorsqu'il s'agit d'une femme, de la femme de ton prochain, que dans ce cas-là, il y a même en plus de ça un risque que Chas v'Shalom, il va y avoir quelque chose de plus grave qui peut se développer entre eux. Et donc, ne parle pas trop, avec toute femme. Kal vachomer beshet ravero, à plus forte raison lorsqu'il s'agit de la femme de son prochain. Mikan amru chachamim, de là, on établit chachamim la grande règle. Kol zman sha'adam marbe sichaim aisha, tant qu'un homme parle de trop, marbe il parle de trop, avec une femme, alors gorem ra'al et atzmo, il se fait du mal à sa propre personne, ou botel midivre Torah, et en plus de ça, à cause de ça, ou en plus de ça, il va manquer à l'étude de la Torah, vesofo yoresh geinam, et au bout du compte, il va hériter l'enfer. Quel est le problème de parler de trop avec une femme? Bien sûr, pas de... Alors le Bartenora, il nous rapporte deux interprétations. Regardez, dans le long Mikan Amru Chachamim, alors, il y a, vers le milieu, il y a marqué Masati Katuv, j'ai trouvé écrit que Shadam et Saper Leishto Korotav, lorsqu'un homme parle de trop avec sa femme, il nous raconte tous les problèmes qu'il a eu au travail, comme telle personne lui a fait du mal et qu'il le jalouse et que par derrière il lui a fait un coup et tout ça, il va commencer à lui raconter toutes ces histoires. Alors la femme, elle est plus subjective, elle prend les choses plus à cœur, c'est dans sa nature, on lui en veut pas du tout, c'est dans son état, mais dans ce cas-là, il faut savoir comment la manipuler. Donc, comment lui parler des choses. Donc si on va commencer à lui raconter toutes les misères, alors il va y avoir deux types de problèmes. S'il va raconter donc « kach vekach irali imploni » telle chose et telle chose, il s'est passé entre moi et lui, qu'est-ce qu'elle va lui faire? Il met la médato, l'echarcher rive. Elle va lui apprendre comment augmenter, catalyser la dispute entre
comme c'était le cas avec Kigon Korach chez Séper Leishto, comme Korach qui racontait à sa femme Mache Asa Moshe, ce qu'il avait fait Moshe avec les Lévi'im, il les a balancés, il les a rasés, et sa femme qu'est-ce qu'elle lui a dit? Ouais, ce Moshe Rabbeinu là, ce Moshe, il prend tout le pouvoir pour lui, ainsi de suite, et du coup elle a augmenté la machloquette jusqu'à ce que la terre a ouvert sa bouche et a avalé Korach et toute son assemblée. À part ça en plus, Inami, autre explication, autre raison, mitor shehu mesaper la shechavera ginu ou bishu, lorsqu'il va raconter à sa femme que ses amis l'ont humilié, l'ont rabaissé, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir tout simplement, elle va voir son mari avec des mauvaises lunettes, elle va se dire ah j'ai un mari qui est un peu bidon, et donc afhi mevaza oto biliba, même elle va commencer à le mépriser dans son cœur, veze gorem ra'al atzmo, et donc ça va lui faire du mal. Lorsqu'il va vouloir faire quoi que ce soit, elle va lui dire va te faire ton café tout seul, d'accord, peu importe. Et dans ce cas-là, au botel, et ensuite ça va arriver que au botel me dit Torah. Donc, au final, il va y avoir juste du manque d'étude de la Torah, du manque de Avodat Hashem, de la peine dans le cœur, des soucis plus concrets, et ça va. D'accord. Ensuite, Mishnah Vav, Yehoshua ben Perachia ben Itai Arbali ki blu mehem. Yehoshua ben Perachia et Itai Arbali, ils ont reçu des deux. Yosef ben Yoser et Yosef ben Yohanan. Donc, ils ont été eux les deux talmidim. Yoshua ben Brachia Omer, Yoshua ben Brachia avait l'habitude de dire, c'était lui donc le Nasi, Ase lecha rav ukne lecha chaver, vevad dan et kol ha'adam lekav sechut. Trois conseils il avait l'habitude de donner. Ase lecha rav, fais-toi un rav. Ça implique quoi? Deux interprétations dans le Bar Tanora. Premièrement, selon le Rambam, très important, fais-toi un rave, ça implique, même si tu estimes que le rave n'est pas vraiment à la hauteur, toi tu t'estimes que tu es très chacham, que tu connais aussi, il y a quand même quelque chose d'important dans la vie, de s'apprendre à la knia, à se rabaisser devant quelqu'un pour écouter les paroles de quelqu'un d'autre. Même supposons que réellement c'est mon ami qui a le même niveau de Torah que moi, eh ben, si c'est tout ce que j'ai, eh ben, il faudra que je me le fasse en tant que rave. Il y a quelque chose d'important que je me prenne quelque chose au-dessus de moi. C'est pour mon bien, pour mon bon développement, de sentir que j'ai quelque chose au-dessus de moi, de manière à ce que je ne sois pas... Dès que je vais, moi, prendre mes décisions tout seul, eh ben, je vais naturellement mélanger toutes sortes de considérations subjectives, égocentriques. De ce fait, j'ai besoin de me concerter avec quelqu'un d'autre, que je prenne quelqu'un au-dessus de moi. Comme ça, le Rambam l'explique. Velo tilmod ben chal ben atzmecha, il le parle par rapport à l'étude de la Torah, mais ça revient au même pour tous les conseils de la vie. Vani shamati, et autre explication du Bar Tanora. Alors là, il interprète ça un peu différemment. Tout simplement, comme c'est bien connu, pour les décisions, fais-toi un seul rave. Pour exclure, ne te fais pas deux raves, trois raves. Prends-toi un seul rave qui décide. Et le Bar Tanora explique, même s'il y a un intérêt à avoir plusieurs rabbanim pour écouter la Torah, allez voir toutes sortes de cours. C'est très bien d'écouter la Torah qui est expliquée, interprétée par plusieurs rabbanim. Ça permet de diversifier l'approche. Et ça, c'est bien pour la construction d'un homme. Mais par rapport au halakhot, aux décisions, alors fais-toi un seul rav. Ne commence pas à partir au marché des rabbanim et tu prends la kula de lui, la chumra de lui. Non, tu te fais un seul rav. Ensuite, ça c'était le premier conseil. Asel lecha rav. Ukne lecha chaver. Achète-toi, acquiert-toi un ami. Un bon ami avec lequel tu étudies la Torah, avec lequel tu te concertes, eh ben, investis, n'hésite pas à dépenser même de ton argent pour lui faire des cadeaux, pour pouvoir acheter son amitié, parce que c'est important d'avoir un bon ami. Un bon ami tzadik. Ve'vedan et kol ha'adam lekavzchut, et juge tout homme avec, en le faisant basculer dans le bien, dans la justice, c'est-à-dire... Il y a en réalité trois niveaux. Le partenaire ne rapporte que deux niveaux, mais c'est comme ça expliqué dans le Rabbeinu Yonah. Il y a trois types de personnes. Il y a des personnes qui sont naturellement toujours justes. Lorsque tu vois qu'il fait une action un petit peu suspecte, bizarre, qu'est-ce qu'il est en train de faire? On a l'obligation de la Torah de trancher en sa faveur, de supposer, de prétendre qu'il fait quelque chose de bien et qu'il y a sûrement une bonne raison pourquoi il est en train de faire cette action bizarre. Comme à Gemara, c'est, on ne va pas trop ranger dans des exemples, mais des histoires bien connues que lorsque je veux voir même un rave qui fait une action un petit peu bizarre, qui mange quelque chose de pas tellement cachère, et bien dans ce cas-là, il va falloir que je me dise qu'il a probablement une bonne raison pourquoi il l'a fait, soit parce que... D'accord, toutes sortes d'interprétations. Et à part ça, à l'autre extrémité, il y a le rachat, le mauvais. Lorsque lui, il fait même une action qui a l'air bonne,
j'ai le droit et même le devoir de me dire que, méfiance, s'il fait quelque chose de bien, probablement c'est qu'il a un intérêt par derrière, et qu'il n'est sûrement pas avec des bonnes intentions les Shem Shamaïm. Et la Mishnah, elle vient nous parler du commun des hommes. Lorsque tu peux voir, il fait une action qui peut être interprétée positive ou négative, eh bien, on a le devoir d'être toujours machria le chaos route. Lorsqu'on va le considérer, juger, estimer qu'est-ce qu'il est en train de faire, alors on a le devoir de trancher, on a le bon conseil, c'est pas une obligation, comme ça c'est rapporté. Tchadavar bekaf moznaim. Lorsque sa situation elle est sur une balance entre le positif et le négatif, eh ben c'est bien de le trancher, de se dire qu'il est sûrement en train de faire du bien et qu'il a une bonne motivation dans ce qu'il est en train de faire, même si concrètement ça a l'air une mauvaise action. Ensuite, Zayn, le deuxième Talmid, donc des deux, Yossi ben Yoézer et Yossi ben Yochanan, c'était Nitaï Ha'arbeli qui était le Avbedin. Nitaï Ha'arbeli Omer, Avrechek Mishachenra, Valti Traber Lanacha, Valti Teesh Minapuranut. Nitaï Ha'arbeli, Nitaï de Arbel, de la ville d'Arbel, avait l'habitude de dire Avrechek Mishachenra, éloigne-toi du mauvais voisin, Valti Traber Lanacha, et ne t'associe pas avec un impie, un rachat, c'est quelqu'un qui transgresse des avérotes. Ve'altitiesh minapuranut, et ne te décourage pas de la sentence qui va de la punition. On explique un petit peu mieux. Il y a d'abord une personne mauvaise et une personne rachat, un impie, c'est deux choses différentes. Un rat, quelqu'un qui est mauvais, c'est quelqu'un qui a des mauvaises midot, quelqu'un qui a des mauvaises réactions, il s'énerve, il est. Peu importe, radin, il est. Ouais, il a beaucoup de, il aime profiter sur terre de trop, il est excessif. Ça, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est mauvais. Il n'est pas forcément rachat, mais c'est quelqu'un qui a des mauvaises midot. Tandis que le rachat, c'est celui qui fait des grandes avérotes. La Mishnah nous donne deux conseils. Un voisin mauvais, avec lui, tu gardes tes distances. Tu t'éloignes complètement, tu ne t'approches même pas de lui. Ne t'approche pas de lui. Pour quelle raison? Tout d'abord, parce que lorsque tu vas rester trop proche de lui, avec une trop grande proximité, tu risques à la fin de. Il risque de t'éteindre sur toi. Naturellement, tu vas voir sa manière de réagir avec colère, en train de s'énerver, de dire des gros mots. Et ben, naturellement, ça va t'influencer que toi aussi, lorsque tu vas être finalement irrité, tu vas finir. Naturellement, on va voir que lorsque tu vas éclater en colère parce qu'on t'a irrité, tu vas voir que tu vas te mettre à parler un petit peu à sa manière. Tu vas être influencé par lui. Et forcément, tu vas être démesuré dans tes réactions. Si tu devais te retenir de t'énerver, tu vas t'énerver deux fois plus. Donc, n'apprends pas de lui. Autre raison, à part ça, le Gaon, il rapporte, c'est en rapportant dans le Bartenora, avec le fameux dicton « Oy la racha, oy l'ishreno » « Malheur au mauvais, à l'impie, malheur à son voisin. » Et le Gaon, il rapporte le Gaon de Vilna, il rapporte dans le Torah Tronim, dans le Sifri. Alors, on rapporte ça avec la fameuse histoire, le fameux exemple de la halakha, lorsque j'ai un voisin qui parle du lashon hara constamment, de la médisance, il y a une halakha qu'à un moment, il va avoir de la lèpre peut-être sur les murs. Il y a un certain niveau de lèpre où il va falloir détruire la maison. Bon, on va détruire sa maison, mais pourquoi est-ce qu'on va détruire ma maison aussi? Parce que, oh, il a racha, il ishreno, il fallait t'éloigner du mauvais. Puisque toi, finalement, tu risques de te faire influencer par lui, et bien tu risques d'être pris avec lui dans ses histoires, tu risques d'être influencé, pas influencé, c'est-à-dire là on parle plus par rapport à la punition. Lorsque la sentence va s'abattre sur lui, sache qu'elle risque aussi de t'atteindre. Donc garde tes distances. Ça c'était pour celui qui est ra, qui est mauvais. Val titraber la racha, et ne t'associe pas avec un impie. C'est-à-dire là on parle plus que c'est un voisin, on parle que c'est quelqu'un qui fait des mauvaises actions, pas, il est peut-être extérieurement, il est peut-être très bien éduqué, très. Menoumas, je ne sais pas comment on dit le mot, ouais, il est poli, mais malgré tout, c'est un rachat, il fait plein de toutes sortes de avérotes. Entre lui, ça le concerne à lui, il ne mange pas forcément cachère, tout ça. Et bien la Mishnah vient me dit, ne t'associe pas avec lui. Tu n'es pas obligé de garder tes distances, tu ne vas pas être forcément influencé si tu le rencontres de temps en temps, mais malgré tout, par rapport à faire des affaires ou faire des choses communes avec lui, ne les fais pas avec lui. Pour quelle raison? Ben parce que l'altitiaïch minapour anout. Ça se rapporte sur les deux, mais même sur le rachat. Ça sera l'altitiaïch minapour anout. Ne te décourage pas de voir sa punition. C'est-à-dire, tu vois qu'aujourd'hui, il réussit, il roule en belle Mercedes, il a plein de. Il est riche, il est comme ça, il réussit bien. Et toi, tu dis, allez, je vais quand même
m'associer avec lui, faire une petite affaire avec lui, peut-être que je vais pouvoir profiter. Sache que non. S'il transgresse, il va y avoir un jour où il va se faire punir. Et lorsqu'il va se faire punir, toutes ses affaires elles vont prendre un coup. Et il va tomber. Et si toi, tu fais des affaires avec lui, et bien sache que toi, tu vas tomber aussi avec lui. Alors ne va pas que Asha'a Mesachek et l'eau, qu'en ce moment, il est sous une bonne étoile. Ça risque de tourner au vinaigre, et toi aussi, tu vas te faire avoir avec lui. Donc, al titre de l'Asha, ne fais pas d'affaires, ne fais pas d'association, ne fais rien de commun avec un Rasha, garantie de distance. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Sacha Kol Tov Salam.